Hello, hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire une vidéo Share the Love. Ça fait un moment que je travaille dessus, mais à chaque fois je me trimballe des listes de 40 chaînes YouTube. Autant vous dire que c'est pas possible dans une vidéo. Donc là, je vais vous faire une vidéo sur les chaînes beauté bien-être que j'aime le plus, sachant que je n'ai pas mis les chaînes de mes copines parce que sinon il y en aurait beaucoup trop. Je ferai une vidéo spécialement dédiée aux chaînes de mes copines, j'en ferai une autre plus dédiée aux chaînes un peu humour et voilà. Donc là pour l'instant c'est beauté bien-être. Donc la toute première chaîne que j'avais envie de vous parler, dont j'avais envie de vous parler, c'est un petit peu plus prononcé, c'est la chaîne qui m'a donné envie de faire des vidéos YouTube. C'est la chaîne qui m'a fait découvrir un tas de choses sur le maquillage, parce qu'avant le maquillage pour moi ça se limitait à rouge à lèvres, mascara, crayon noir, et voilà. Donc, cette chaîne m'a appris qu'est-ce que c'était qu'un blush, qu'est-ce que c'était qu'un highlighter, et cette chaîne m'a ruinée littéralement. Merci. Donc c'est la chaîne de Tite Dye. Moi je dis tout le temps Tite Dye, je sais pas pourquoi. Bref, la jolie Jessica qui franchement me met toujours la pêche. Voilà, son accent, son franc-parler, elle est naturelle. J'ai envie de te dire que c'est la copine que j'aurais pu avoir dans la vie. Elle est vraiment entière, elle me donne la patate, elle me fait sourire. C'est une chaîne que j'aime beaucoup, beaucoup. Et voilà, vous trouverez tous les liens en barre d'infos. J'ai pas de photo malheureusement et j'avais pas envie de courir après tout le monde pour leur demander une photo, un peu comme une groupie. Donc du coup, vous verrez les chaînes en barre d'infos et vous irez voir par vous-même. La chaîne numéro 2, c'est tout simplement... Oh, j'ai plus de voir, c'est l'émotion. C'est tout simplement la chaîne de ma plus belle rencontre... YouTube est réel, hein. Donc c'est ma plus jolie rencontre sur YouTube qui est devenue une amitié réelle. Et oui, c'est la chaîne de ma petite Luciole d'amour, à qui je fais un gros bisou, ma petite Karine. On s'est connus sur Insta, sur YouTube, et très vite on a fait connaissance, on s'est rencontrés et j'ai découvert en elle une fille mais vraiment géniale. Elle fait beaucoup plus réservée sur le net, en vidéo, elle fait beaucoup plus réservée, quoique maintenant elle se lâche un petit peu plus. Mais dans la vie, c'est vraiment une folle. C'est-à-dire qu'on rigole de tout, on s'amuse et on s'ennuie pas une seule seconde avec Karine. Elle a un grand cœur, elle est juste au top et je l'aime énormément et je vous conseille d'aller voir sa chaîne. La chaîne numéro 3, la fille qui fait des gestes en même temps. La chaîne numéro 3 que je vous présente, vous allez me dire, mais attends, c'est pas de la beauté. Non, c'est pas de la beauté, quoique c'est un bien-être. À mes yeux, c'est super important. Donc, c'est une chaîne qui, si tu es un petit peu prude et que tu ne parles pas de tout ce qui se passe dans la culotte, on va éviter, hein. Je n'ai pas envie de te choquer. Donc, c'est une chaîne qui parle vraiment de la sexualité, mais sans aucun tabou. Donc, elle parle de sex toys, elle les présente, elle parle de l'orgasme, de la première fois, de toutes ces choses qui peuvent en gêner certaines. Moi, cette chaîne... je l'adore. Vraiment, c'est une petite nana. Elle est toute mignonne. Elle est vraiment trop jolie en plus. Elle est pétillante. Quand tu regardes sa chaîne, vraiment, tu vois là, ça pétille. C'est la joie de vivre. Tu sens que la fille est libérée, tu vois. Et j'adore beaucoup, beaucoup cette chaîne. Donc, la chaîne de Climity Jane. Et vraiment, je vous conseille d'aller la voir parce que ça fait du bien de trouver quelqu'un qui va te parler de sexe sans être choqué, qui va te dire les choses telles qu'elles sont, et voilà, qui assume ses choix, qui assume aimer le sexe. Et je trouve que, bah voilà, tout le monde devrait aller faire un tour sur sa chaîne, ça décoincerait peut-être certaines. Ensuite, la chaîne numéro 5. Eh merde, je suis passée de la chaîne 3 à la chaîne 4. Oh là là. Donc j'ai mis la chaîne 3 en 4. C'est pas grave, on va continuer. Donc j'avais dit la 3, Climity Jane, donc on va continuer la 4. C'est la chaîne de Marie Chalanova. Je m'excuse par avance si je dis mal l'intitulé de ta chaîne. Alors, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette fille, je sais pas, je la trouve hyper attachante, elle a quelque chose, elle a une douceur, elle fait vraiment très douce. Bon, elle a un accent qui me fait voyager, j'adore son accent. Elle est douce, elle explique les choses correctement, elle fait des hauls, elle fait des unboxings, elle s'intéresse à tout ce qui est création, etc. Elle est vraiment
Trop, je l'adore quoi, elle est vraiment douce. C'est la chaîne que je regarde quand j'ai envie d'être un peu au calme, quand j'ai envie de douceur, c'est la chaîne que je regarde. Donc pour le coup, on se remet bien dans l'ordre et on passe à la chaîne numéro 5. Donc c'est la chaîne... Pardon, c'est la chaîne de Soum Soum. Alors Soum Soum, sa chaîne, voilà, la personne en elle-même, je la décrirais juste par classe. Je sais pas, cette femme, elle a une élégance naturelle que j'aime beaucoup. Elle fait pas mal de hauls et elle me fait toujours baver devant ses hauls. Elle fait des revues, elle teste des produits et j'aime beaucoup l'écouter parler. Pareil, je vous invite à aller découvrir sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, la chaîne numéro 6, c'est la chaîne Tout sur la beauté. Alors, j'aime énormément cette chaîne. Voilà. Cette nana, je la trouve, mais juste d'une beauté. Alors, je pourrais pas vous dire. Elle a une beauté naturelle. Je la trouve élégante. Elle est rousse. Elle a des yeux magnifiques. Elle a un accent, mais pareil. Je crois que je suis amoureuse des accents, en fait, hein. Elle a un accent, mais terriblement, je sais pas, sexy, je trouve. Et donc, elle fait des hauls, des routines, des favoris, des top flops. Et j'aime énormément l'écouter parler. Pareil, je sais pas, elle m'apaise. Je sais pas, c'est la nana que j'aime. Elle fait un peu, je sais pas. Je pourrais pas vous dire, ça fait vraiment très groupie là. Mais elle dégage un truc, cette fille. Je vous invite franchement à aller la découvrir. Ensuite, la chaîne numéro 7, c'est la chaîne Au pays de Jenny. Alors là, on arrive dans une chaîne. Alors, cette nana est d'un naturel, d'un punch, pas de langue de bois, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de chaîne. C'est un peu dans le genre Tidaï. Voilà, la nana, elle a envie de te dire un truc, elle te le dit quoi. Et ça, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc, elle fait des premières impressions, des tops, des flops. Des routines. Et franchement, j'aime beaucoup sa chaîne et je vous invite aussi à la découvrir. En même temps, je vous invite à découvrir toutes les chaînes dont je vous parle, hein. La chaîne... Oui, c'est ça, la chaîne. Numéro 8, hein, c'est la chaîne La Petite Zivana. J'espère aussi que je dis ça correctement. Donc pareil, c'est une fille qui est très punchy, très pétillante. Elle fait des hauls, des vlogs, elle parle de son expérience sur sa perte de poids. Elle a fait une sleeve, elle fait voilà, des revues sur la mode ronde et tout. Elle paraît très... s'assumer pleinement. Je la trouve vraiment fraîche et je l'aime beaucoup. Voilà. La chaîne numéro 9. Non, ça c'est 8. C'est trop dur. 9. C'est plus facile, 9. C'est la chaîne Addict Amy. Je disais la chaîne numéro 9, la chaîne Addict Amy. J'ai fait un peu ma commère, j'ai vu quelqu'un se garer, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un colis? Non. Bref, la chaîne Addict Amy. Donc c'est une chaîne où on retrouve des tags, des box, des hauls, des vlogs. Et cette nana, je l'adore. Alors déjà, encore une fois, elle a une voix, mais elle a une voix de malade, j'aime trop sa voix. Voilà, elle a juste à parler, la meuf, elle est déjà sexy, elle a rien d'autre à faire. Donc ça, c'est un peu... C'est pas juste pour nous, hein, vraiment. Elle est très belle, elle a une beauté naturelle, une jolie brune, voilà. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'écouter parler et je ne me lasse jamais de ses vidéos. Vraiment, je vous invite à aller la découvrir. Elle est vraiment top. Et la dernière chaîne que j'ai choisie pour cette petite vidéo, parce qu'il y en avait beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, c'est la chaîne La Vie en Rose. Donc, pareil, on retrouve des tutos, des revues, des hauls, tout plein de choses. Et franchement, cette fille est hyper naturelle, hyper... Pas route non plus, mais elle est rentre dedans. La nana, elle te dit merde, elle te le dit. Elle décrit les choses comme elles sont. Elle fait pas de chichi. Et j'aime énormément ce genre de personne. Je la comparais un petit peu à la chaîne Au pays de Jenny et à Tidai. C'est vraiment des nanas naturelles. Les filles avec qui tu pourrais prendre un café et parler de la vie sans prise de chou. Voilà, c'est pas les filles. C'est pas les filles fifi, tu vois, qui sont... tu vois, c'est les nanas qui en ont rien à taper et qui vont te dire ce qu'elles ont envie. Et ça,
J'adore. Voilà pour cette première vidéo Shares Love Beauté Bien-être. Il y avait vraiment énormément, énormément de chaînes dont j'avais envie de vous parler. Mais c'est pas possible dans une seule vidéo. Donc j'en ferai d'autres. Ça, c'est sûr. Et en attendant, je vous mets tous les liens en barre d'infos pour aller découvrir toutes ces petites... j'allais dire ces petites coquines. N'importe quoi. Toutes ces chaînes qui, franchement, valent le détour puisque je les ai choisies. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.